xam nga fi wéru koor Sénégal moom ñëpp xam nañ Sénégal wéru koor ni ci Sénégalais yi mel fii dëkku l'islam la et wéru koor moom ni ñu koy doxalee et jàpp nañ diine ji jàpp joo xam ne bu fajar jotee à 3h du matin nit ñi commencé nañu yeewu suñu yeewoo seen soxna yu jóg commencé defar xëdd bu ñu xëddee ba pare dem jàkkaja suñu jógee jàkkaja ñi war a dellu seen kër dellu seen kër ñu war a liggéey liggéey ku si mel na man par exemple man su ma yeewoo ba xëdd ba noppi ci lay dem julli ci. Je pense que le Sénégal est un pays, d'abord, qui se caractérise par l'ancienneté de l'islam. Et s'il y a un pays où on pratique vraiment, c'est bien le Sénégal. Parfois même, ça prend une allure tout à fait ostentatoire et ça peut être critiqué par beaucoup. Mais je crois que la sincérité du Sénégalais dans sa pratique religieuse, personne n'en doute. Et le Ramadan est à la fois un mois sacré de pratiques religieuses, mais un mois aussi d'une grande sociabilité. Et c'est à la fois la tradition religieuse, mais avec une touche de sénégalité qu'on retrouve dans le mois béni du Ramadan. Suma jullee ba pare dem jël sama car bi may war a yóbbu fi may liggéey man nag maa ngi liggéey bërëb bu ñu naan hôtel Al Afifa. Man sama relation avec relation extérieure bon mën naa ni man maay représenté maay ambassadeur hôtel bi vis à vis des gens yi nga xamante ni ñoo ngi nekk à l' étranger maayor communication bi donc sama liggéey daal vraiment nekk na liggéey boo xam ni liggéey communication la. Et ma ci sant yàlla depuis 27 ans maa ngi ci. Bonjour, ça va bien Kati? Ça va bien? Ça marche? Oui, ne quittez pas avec le fournisseur. Merci. Ok, bien. Damay dem marché chaque jour damay dem ndugg 10 jours ci 10 jours damay dem njëkk marché poisson ma jënd jën may jëndee jën après ma waas ko ma dëgg après ma ñëw ma def ci ay mbuus ay sachet ma def ci frigo bi.
mois de Ramadan, la demande est plus forte que l'offre. Parce que vous savez, ici au Sénégal, le Sénégalais, il consomme beaucoup le riz au poisson. Et donc, c'est une période où les gens, quand ils ont jeûné, et quand ils coupent le club, ils préfèrent manger du kebujen. Et dans ce cas, il faut un bon poisson. Le Sénégal est un pays où les Wolofs constituent 40%, sinon plus de 40% de la population. Ensuite, on aura l'ethnie sérère, d'où est venu le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui tourne autour de 17%. Les premiers islamisés, les Halpoulars, font à peu près 10% de la population. Et le reste de la population est divisé entre les ethnies du sud, comme les Djola, les Balantes, les Mandingues. On a aussi les Soninké, qui constituent un groupe très important. Ce qui rend aussi les choses beaucoup plus faciles, c'est cette unification à partir de l'islam. Aujourd'hui, plus de 94% de la population sont des musulmans, mais aussi à partir du Wolof, parce que presque tout le monde comprend le Wolof. Et on peut communiquer à partir d'une langue, ce qui fait encore une certaine originalité du Sénégal. On a attrapé une dizaine de boîtes, mais c'est dur parce que la mer, il n'y a rien en ce moment. Il n'y en a rien en mer. Tu passes la journée, tu fais presque 6 heures, 7 heures de temps. 4 personnes vont attraper que ça. Il n'y a pas grand chose. Ici, il est préoccupé le matin à 6h du matin. Il revient le soir, il vient plus tardif, plus tôt que par rapport au mois du Ramadan. S'il s'agit du mois de Ramadan, ils viennent au maximum vers 18h. Maxi 18h. Et les vendeurs de poissons locaux ont eu toujours des problèmes pour les petits poissons. Parce qu'il y a toujours les grands poissons qui se coûtent cher. Ouais. Le mois de Ramadan, les gens préfèrent acheter les gros poissons. À partir de 7h, à partir de 18h30, le marché est rompu. Et s'il ne s'agit pas du mois de Ramadan, on peut rester ici jusqu'à 8h du matin, 8h du soir, 9h. Il y a deux façons d'acheter. Il y a les gens qui achètent le poisson local, ceux qui ne vont pas ici par terre. C'est pour ceux qu'on consomme ici. Et il y a les poissons qu'on amène en France, en Italie, en Grèce, et en Turquie, même au Liban. C'est du poisson qui est acheté en haut. Par des usines qui ont envoyé des gens qui ont voulu sur la plage pour assister ces poissons. Et les prix sont trop élevés aussi. Très élevés. Et le rascasse, le kilo coûte 5500 francs. Voici le poisson que je disais là, le rascasse. Le kilo coûte 5500 actuel. Le kilo, ça coûte 5500 francs. Il y a aussi le sable marron. Attends, je vais vous le montrer. Voici le sable marron. C'est un poids qui est importé. Actuellement, le kilo coûte 1500. Non, l'île de Gorée est une terre importante parce qu'il y a un devoir de mémoire par rapport à tout ce qui s'est fait dans l'histoire. L'île de Gorée est un symbole justement de ce commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique
et l'Amérique. Le nom Gorée, ça veut dire good read en hollandais, qui signifie une bonne rade, pour pouvoir, disons, se ravitailler en eau, en nourriture avant de partir. Et à partir de ce moment, certains historiens estiment que ce n'était pas un lieu où on pouvait, disons, mettre trop d'esclaves. D'autres estimaient que beaucoup d'esclaves ont transité à partir de l'île de Gorée. La controverse continue. Mais n'oublions pas aussi que quelqu'un comme le pape Jean-Paul II, c'est à partir de l'île de Gorée qu'il est venu demander pardon pour la traite négrière quand il était au moment de son pontificat. Mais ce qui est sûr et certain, c'est une terre en tout cas que nous devons utiliser pour rappeler à l'humanité que la traite négrière est un crime contre l'humanité et que l'esclavage, que les Africains ont payé un tribut très lourd pour ce qui concerne la traite et l'esclavage, mais en même temps aussi en faire une terre de réconciliation avec le reste du monde. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir l'île de Gorée aujourd'hui. C'est un marché qui est un peu différent des autres marchés de la ville de Dakar. C'est un marché, d'ailleurs certains disent que c'est un marché de bourgeois. Et le mois de Ramadan aussi, les gens y viennent, mais il n'y a pas d'heure. Il y a ceux qui viennent tôt le matin, les autres ils peuvent attendre jusqu'à 14h ou 15h pour rentrer dans ce marché. Aussi, ça dépend. Au mois de Ramadan, les prix, beaucoup de gens se disent que les prix augmentent, mais peut-être c'est des marchandises qui sont importées. Et ça, ce n'est pas la volonté des vendeurs. Ça, ça vient de fiscalité, des taxes douanières. Et cette augmentation aussi, c'est dû peut-être au mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, vous savez, le commerce active. Vous savez, on est en plein capital. Presque on voit qu'il y a les députés, les grands messieurs, les directeurs de services, et même des fois, tous les services sont regroupés aux alentours de Kermel. Donc tu peux même venir à ton service et tu penses à Kermel, tu viens à Kermel, tu fais tes achats. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Mu ñëwoo ñu dem ma dem ma togg ndogu ceeb jën lay togg ceeb jën damay dem marché ma jënd jën beur jënd yeboy après ma dagg ko morso par morso waas ko après ma ñëw marché goltapi ma jënd lejum naa jënd supame carotte nave basante kaani yii ak géej mooy jën poisson la jeun bol ak bisab ñun sénégalais am ñu xam dañ koy naan ñu dañ koy def ci ciébu jeun après ma jënd pot tomate dowlin ak ciép après ma ñu
C'est à partir du Sénégal, surtout de Dakar, que les Français avaient créé l'IFAN, Institut Français d'Afrique Noire, comme ils ont créé les IFAO partout, les centres de recherche. Et c'est à partir de Dakar et de l'IFAN qu'ils ont voulu avoir une meilleure connaissance de l'Afrique. C'est à partir de Dakar qu'ils ont fait beaucoup de recherches. Et quand des gens comme Moni ou Théodore Monod, les anciens fondateurs de l'IFAN, allaient sur le terrain faire des recherches, ils revenaient avec des objets, ils revenaient avec des films, ils revenaient avec un certain nombre de matériaux. Ce matériau, ils l'utilisaient pour faire d'abord alimenter les sujets de recherche, mais le matériel, si vous voulez, ce qui relevait du matériel en termes d'art, d'archéologie, ils ont créé un musée. Et ce musée, qu'on appelle musée d'art africain, c'est un musée à la fois historique, mais surtout ethnologique. Il ne reste plus beaucoup d'anciens combattants. Et la statue que vous voyez, qui est statue d'Emba Dupont pour célébrer la fraternité d'armes entre les tirailleurs et leurs collègues français, cette statue, à un moment donné, c'était une revendication. On a enlevé cette statue parce que les gens ont estimé qu'il fallait enlever d'Emba et Dupont, ça rappelait une histoire qui était révolue, etc. Mais on l'a remis là-bas, à cette place, pour, disons, parce qu'on estime que ce n'est pas normal de tourner cette page de l'histoire, mais il faut toujours rappeler à la France le rôle que les Africains ont joué pour la libération de la France, surtout lors des deux guerres mondiales. Et le plus important dans cette affaire, c'est que les tirailleurs sénégalais, les anciens combattants, soient rétribués de la même manière que leurs collègues qui sont restés dans l'ancienne métropole. Le Sénégal tel que vous le connaissez aujourd'hui, c'est la création de l'entreprise coloniale. Sinon, le Sénégal n'existait pas avant. Vous voyez dans l'architecture moderne, effectivement, ce qui nous reste de l'architecture moderne, c'est plus une tradition coloniale qu'une tradition liée à la culture sénégalaise ou africaine en général. Malgré cette façade de modernité, le Sénégalais est très ancré dans ses traditions. Nous avons fait des tafsirs.
imam bi dañ def ay waxtan lélé bala ñu julli wax leen lan moy saxru ramadan yan akhal moy mo war ci mom ak lan lañ ci wara moytandeku ak nañ ko lañ ci wara def imam bi dina kay faral di waxtane bala ñu julli waxtane ba paré ba war nit ñi delo leen ci yalla wax leen li nga xamné li moy akhu koor ak li ko waral ak li ko sabab yeb dara door dem nañ ñu julli dina am tam ay conférence danaka bala koor bi jeex dina fi am lu wara mat fukki conférence ba lu ko jige di mu ne dina bari ay conférence dekk bi dina bari conférence ñu def té conférence bi yeb nak ñun ci waxtan ci ramadan ay tam walu tawhid bari ko muridi yo danaka tabarakallah sen talib sen soppe bokk nañ ci ñi nga xamni ni lu yalla wax ci alquranul karim في أمر أولي الأمر حق ضائع قضايا